Salut les rouleurs, si je vous dis ville en bord de mer, conduite insolite, soleil toute l'année avec un chouïa de Mistral, vous me répondez Marseille bien sûr. Et je vous ai dégoté non pas une adresse avec de la bouillabaisse, mais bel et bien de la barbac que tous les locaux s'arrachent. On vous y amène. On a garé la voiture à deux pas d'ici, au parking de la Castellane, en plein cœur de Marseille. Et c'est ici que ça se passe, à la Femme du Boucher. Regardez-moi cette devanture, on reconnaît bien l'ancienne boucherie là. Bonjour Pauline. Bonjour Cassandra. Bienvenue. Ben, merci beaucoup, c'est trop chouette. Ouais, et bien je vous installe. Impeccable. La petite pièce lumineuse, vous irez? Ah oui, ben parfait. Et voici, on vous a installé juste ici. Ben merci beaucoup. Cette adresse a ouvert entre deux confinements. C'est un peu le spot du moment chez les Marseillais. Moi, mes copains d'ici, ils m'en ont tous parlé. Et je me languissais de voir le menu parce qu'on trouve peu d'infos quand même sur Internet. Donc ici, on a le menu du jour, c'est ça? Exactement. Si vous ne connaissez pas la langue de bœuf snackée, honnêtement, ça vaut le détour. Ah ouais? C'est une langue de bœuf qui est cuite au courbouillon. Okay. Et après, qui est snackée à la plancha. Et là, on retrouve tous les gimmicks de la boucherie. Alors moi, je me sens comme chez ma mamie, hein. Je suis petite fille de boucher, charcutier, traiteur. Et on avance un peu plus loin, et on retrouve la cuisine ouverte. On peut regarder tous les plats qui vont avec. Alors là, dans cette entrée, on retrouve la langue de bœuf snackée. Et on a les poireaux en vinaigrette, de la feta. Oh, c'est très bon. Mmh. Ah, le côté snacké. Ça enlève un peu ce qu'on n'aime pas trop, la texture qu'on n'aime pas trop dans la langue de bœuf. Du coup, c'est hyper agréable. Alors, nous avons les ribs de cochon avec une petite sauce dessus, genre barbecue ou ketchup. Regardez-moi là. Oh là là, ça se détache tout seul. Il est très bien caramélisé, il est très fondant. J'ai pris le pain perdu avec le poulet poché et la crème. C'est bien parce que le fruit, il apporte de la fraîcheur. Au pain perdu qui est encore tout tiède. Confiture de lait, c'est l'enfance, c'est la gourmandise. Et la crème juste montée là en mode chantilly. La chantilly maison, c'est la vie. Et pourquoi vous avez ouvert cette adresse du coup à Marseille? Parce que c'était un peu l'adresse qui me manquait en tant que consommatrice. Je ne savais pas où manger un riz d'agneau, je ne savais pas où manger une entrecôte maturée. Voilà, je ne trouvais pas de jus de viande. Je me suis dit que du coup, c'était probablement une place à prendre. Et un ami m'a dit « achète une ancienne boucherie et fais de la viande » parce que j'avais déjà un peu cette réputation autour de la charcuterie. Et donc du coup, j'ai tapé « boucherie sur le bon coin ». Vraiment, voilà, ça a été ma première recherche et je suis tombée ici. Et pourquoi vous aimez autant la viande? Il y a une petite histoire derrière ou les abats, même les tripes? Je trouve que c'est un produit qui est déjà fascinant à travailler. Il y a une multitude de possibilités. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment zéro perte. Bien, merci beaucoup Laetitia, c'était excellent. Ben, merci à toi d'être venue. Bonne fin de journée. Avec plaisir, au revoir, bonne journée.